Vive le RPG Arc-en-Ciel! Vive le RPG Arc-en-Ciel! Vive le professeur Alpha Condé! Vive le professeur Alpha Condé! Vive Kerouané! Vive Kerouané! Vive les jeunes de Kerouané! Vive les jeunes de Kerouané! Vive les femmes de Kerouané! Vive les femmes de Kerouané! Vive les sages de Kerouané! Vive les sages de Kerouané! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Alpha Kafo! Akaké! Alpha Kafo! Akaké! Vive Kerouané! Vive Kerouané! Merci! Monsieur le secrétaire général de la section de Kerouané, chers camarades militants du RPG Arc-en-Ciel de la préfecture de Kerouané, une fois encore de plus, je vous dis bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et à Kerouané Djama, madame la secrétaire générale du parti, je suis à Mobala, je suis à Moussoul, je suis à Demisen, à mon souci, à nos militants moumets. Comme vient de dire le secrétaire général de la section, je suis Kamara Oumouawa. Avant d'être attaché de cabinet au ministère de l'Action sociale, je suis de la coordination des sections scolaires et universitaires du RPG Arc-en-Ciel. Comme le secrétaire général d'abord, à toi le Oumouawa Kamara. Aye, section jeunesse scolaire lero. Koko narike école de ni étudiant na bureau sini okono. Kabe parti la sedoma, kabe parti la wanyefema. Donc a ou coordination ba membre de l'édit. Je ne suis pas fille de Kerouané, mais je peux l'être aussi. Akoko Kerouané surande fentadi, mais adi se kala di fana. Et quand j'ai expliqué à mon ministre que je suis invité à Kerouané, et par mon homologue Dansine Touré, et elle m'a dit qu'en venant à Kerouané, qu'elle va me donner des kits sanitaires que je dois venir remettre aux militants du RPG Arc-en-Ciel pour qu'on puisse installer au siège du parti et dans certaines grandes mosquées de la ville. A quoi Natola qui sera même la ministre là, Kafoko Aibara Mena, attaché de cabinet à Mena. Action sociale là pour Agnonsu Adion même fana au barasu là environnement là monsieur Touré là sinédi cobra invité quoi na celle qui est Kerouané bon madame la ministre Kafo comme ni kira walaye kondi bolula ko clore meni amuramu me kondo fladima ibana yena di RPG militantement cadeau si siège là après anna ministre dynamisri do. Et donc ces kits sanitaires doivent servir à nous laver les mains et cela c'est dans l'objectif d'éviter la maladie qui fait aujourd'hui les ravages sociaux et économiques dans notre pays. Et il s'agit de la fièvre hémorragique Ebola. A koko, bon la koufem menu anay mouraoulou, ou le dikouye mundi, koumreta la, wala ko. Ayan tel ko la ka am fari la sania wala ko anyi matanka jangaru jume ana jamana kan membra anse membra na kudu la nyaram folo wala ko andi se matanka la kabo jangaru ma. Tous les bons guinéens aujourd'hui sont en train de combattre cette maladie et plus précisément les militants du RPG Arc-en-Ciel, les militants qui soutiennent vraiment le professeur Alpha Condé. Nous devons de plus nous engager dans cette lutte parce que c'est une maladie qui affecte négativement les résultats du mandat du président de la République. Akanko la yineka jonjon susu ko jangoro me hamin kakan kakebela ko surtout bolofa Clément Dakan wole militant du parti RPG Arc-en-Ciel ko kwan fana militant fin nana président professeur Alpha Condé la programme hamila pour que aya fait kasiro me wese. Parce que Djangoro mbra ka sama bodi ka annano ko siamano ka na ko siaman bla koro. Donc c'est pour cette raison dès mon arrivée à Kerouané, j'ai cherché à rencontrer monsieur le secrétaire général du
de la section du RPZ Arc-en-Ciel à Kérouané qui m'a facilité la tâche. A koko ole ka ke ukro adomen kenya aka secrétaire général du parti RPZ Arc-en-Ciel nini ala fana ka ke akoye men ke ukro o ki bul ibla à la disposition ka ko bero sonayablo. Donc je le remercie infiniment et je remercie tous les militants pour la disponibilité. A koko buluma aye o fana fola foli sanmana aye parti militant be fana fola kamasro ay preni ay fana blani ala buluma su antili. Il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai, que la maladie n'existe pas, ou bien par mal intention, par envie de saboter, ils sont en train de politiser la maladie alors que la maladie existe. Et face à un danger public, tout bon citoyen, je pense, doit, au lieu de manipuler pour des fins politiques, tous les Guinéens devaient normalement se donner la main pour chasser la maladie d'abord, avant de revenir sur n'importe quelle autre chose. A koko mondo liye jamana kono men ye men ko ma fola ka koko ya le men malala ko men la Guinée ka jonjon susu jamana hami ye men la be ka kan ka la men ko la ka lo ko tunya le ka on fana ka ibulo la yon kan ka bo sladi sla men ke sa bu di jangoro me ke le ko parce que aye jangoro le di men ye jamana la suron nan fulu ko siama ko to la koro koro ko ambe ka kan ka ansundu da klina ka jangoro men kele. Donc je suis très contente de l'accueil qui m'a été réservé. Et le soir d'abord, quand j'ai appris le truc, le communiqué à la radio, sur le champ, j'ai appelé le secrétaire général de la ZNS, en l'occurrence de M. Mbani Sangaré, pour l'informer. Parce que la grandeur du RPZ Arc-en-Ciel, c'est aussi ça, la discipline des militants. Je ne pouvais pas venir pour un grand mouvement comme ça sans que mon chef ne soit au courant. Je l'ai informé et il m'a même demandé de le mettre en rapport avec le secrétaire général de la ZNS ici pour lui dire qu'il m'autorise au nom du bureau politique national du RPZ Arc-en-Ciel de venir m'entretenir avec les jeunes de Kérouané pour leur dire effectivement que la maladie existe et que nous devons nous donner la main vraiment pour combattre cette maladie. Akanko aye kuran jama fula aye RPG militant be fula ko wolero kulura fe aka memen ke radio la ka foko la dem men keto kana ale malo fe men dinama bulla ko fe woni anyora nu ko kana wo dante militant ye tellement ke abunyo wararama aka secrétaire général de la jeunesse bureau politique na e monsieur Mbani Sangaré di ko parce que a fana yoro men ira la odi ko a ira la ka foko ana parti me RPG Arc-en-Ciel di ko fana ani parti tol boninyoma ka masro ole fe ko ka ira ko parti bale ko kolo ani nyombuye biro kunti kunti la koro ko ye parti men kono ko don wole ro aka o kili men ke wo ka kili ka fana na telefone na koro ko biro politique national de la jeunesse toro ko miri jamaria yewa inikiro ande mse biro molie paro paro nyoya kwa ka fonyena ukono ma kwengire basi an kwenya ni kiro ande biro de la jeunesse section secrétaire général de la section jeunesse bla contact la pour ka ye paro nyoya ko fanankera akaira ola ka foko mo men nani alele ka jamaria ka fara biro de la jeunesse biro politique national de la jeunesse la kana kiro ani kaira militant bela ka foko jangoro mena koye ko jangoro yeye anka kanka freke adi boy nyamanka ko ka fo militant ben anye lala anye ampre akelela. Il m'a chargé également de dire aux jeunes de Kérouané que si le professeur Alpha Condé vise un deuxième mandat en République de Guinée, et pour toute personne qui analyse bien peut se rendre compte que ce n'est plus pour lui-même qu'il vise ce deuxième mandat. Parce que quand un homme, est, même si c'est pour deux jours, quand tu es président de la République, tu es déjà dans l'histoire de ta nation. Économiquement, tu es très bien assis. Si c'est pour toi-même, franchement, il peut quitter le pouvoir maintenant sans autre ambition. À Koko Abana, à la secrétaire générale du parti, bureau politique national qui sera là, là, M. Mbani Sangaré.